Le projet par lequel nous saisissons l'opportunité FID consiste à développer un produit d'assurance sociale qui vise les associations informelles entretenant des très petits mécanismes financiers du type caisse secours pour protéger socialement leurs membres. Et la solution que nous préconisons, c'est du fait que ces associations se regroupent en très petit nombre, les primes ou les contributions qu'elles requièrent de leurs membres peuvent être élevées et fréquentent les mauvaises années. Donc notre projet consistera à utiliser les principes de la réassurance pour les mettre en réseau afin de pouvoir réduire les primes qu'elles auront à payer individuellement et limiter ainsi les risques que les plus pauvres font souvent face, c'est-à-dire le risque de déchéance du bénéfice de leur adhésion ou même simplement l'exclusion de ce cercle communautaire auquel ils appartiennent. Ce projet, c'est un projet de protection sociale qui vise principalement les pays africains où la couverture en protection sociale reste extrêmement faible. Si je prends le cas du Cameroun où ce projet sera en phase d'essai, environ un demi-million d'actifs ont un contrat de prévoyance sociale sur environ 14 millions d'actifs. Le FID, que nous remercions déjà, va supporter et financer le développement de ce produit d'assurance sociale, d'un. De deux, il va appuyer l'amorçage du dialogue politique lié à ce projet. Il va également financer le montage institutionnel pour le faire tourner. Et en quatrième point, il va financer un essai randomisé pour démontrer, si besoin est, que cette initiative permettrait de réduire les inégalités et même une forme d'exclusion sociale que les bénéficiaires pourraient rencontrer.